Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Victoria 3 dans lequel nous jouons l'Allemagne. Alors, petit problème de sauvegarde, on est revenu le 19 janvier 1879, c'était juste avant la prise de l'Italie. Donc je vais reprendre de là, j'ai pas trop le choix. Et ça fait 2 semaines que j'ai pas pu jouer non plus, donc on va regarder un petit peu ce qu'il y avait. Je vois qu'on est en méga déj de bureaucratie là. C'est quoi tout ça là? Oh la vache! Ah ouais, j'en ai en fabrication? Non, même pas. Ok, un petit peu en déj d'argent aussi, mais non, ça va, ça va. Moins 51 000, j'ai 20 millions de réserves. Ça devrait le faire. On avait un énorme territoire en Afrique. Voilà, je cherchais le nom, je sais pas pourquoi. C'est parce qu'elle est pas bleue, c'est pour ça. Ça m'a perturbé. Ok, on avait annexé tout ce qui est Égypte, Empire ottoman, etc. Ça, c'était super cool. Effectivement, même qui va. Non, c'est pas de la même couleur ça, je sais pas. Non, on n'a pas la vision, donc c'est pas chez nous. Enfin, c'est pas moi, nos états clients. Les pays de la trêve, oui, c'est ça, Darfour, etc. Ok. Alors, on va essayer dans un premier temps de faire remonter un peu cette bureaucratie. Capacité d'imposition insuffisante. Voilà, on va faire ça. On va faire aux endroits justement où. Ah bah non, mais pas de. Mais j'ai pas d'employé, donc c'est pas bien que je fasse ça là. Moi. Alors le principe, j'aime bien, hein, mais sans les employés, ça va être compliqué. Apparemment, j'avais quand même lancé de quoi pallier le problème. Ouais, ici c'est bon. Et en Brandebourg. Ouais, bon, j'avais lancé des fabrications pour pallier le problème. Ah, beaucoup de radicaux. Oh la vache. Ah oui, mais je crois qu'on avait eu le printemps des peuples qui avait terminé il n'y a pas longtemps, ou quelque chose comme ça. Et pourquoi ils sont pas contents? Diminution du niveau de vie pour être renvoyé des bâtiments. D'être conquis par un pays étranger. Ok. Diminution du niveau de vie. Ouais, les vêtements, je veux dire, sont chers. Les ressources de luxe aussi, je m'en fous. Okay, on a du bateau. Bon, je vais laisser les. Je vais regarder un peu ce que j'ai à la fin. Je vais laisser les bâtiments se construire. Et on fera un petit équilibrage, ouais, par exemple la textile, je vais lancer. Et quelques voies ferrées, beaucoup de voies ferrées. Pas mal de verreries également. Beaucoup de verreries. Ok, allez, on va repartir sur faire un pays fantoche. Donc on a Italie, France, Luc. Ah, mais il n'y avait pas un délire comme quoi. Ils font partie d'union douanière ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, union douanière. Si on regarde dans les interactions, on a la diplomatie. Ouais, ils sont en union douanière avec la France. Mais c'est pas grave, on va en faire un pays fantoche. Hop là. C'est parti. J'ai personne là. Si, je me disais aussi. On va aller chercher quelques troupes qui sont pas là. Par exemple, ici. Oui. Défensif expert. Est-ce qu'il y en aurait d'autres?
Les Luc ne soutiennent plus. Là, on va attendre le retour des troupes. Je sais pas où est-ce qu'ils étaient, tiens. Je sais pas ce que... Là, il devrait réussir à faire sa vie, lui, quand même. Ok. Est-ce qu'ils sont revenus, eux? Pas encore. Là, ça passera pas. Là, je vais juste mettre en défense également. Ou le petit coup de lag. Ouh, on l'a senti, hein. On l'a senti comme il fallait. Alors on va envoyer là les... Voilà, ce général là à la défense. Ici. Ah bah l'Italie a renoncé. Parfait. C'était rapide. C'était plus rapide que prévu. Ouais. Construire un canal du Panama. C'est en train de se faire. C'est subventionné, c'est juste qu'on n'a pas assez d'habitants. Ouais. Ça va venir. Ça c'est quoi ça? Séparation totale du clergé et de l'État, ouais. Ok. Bon, on va pas s'arrêter là, on va aller chercher autre chose. Pays-Bas, la Belgique, ce genre de petits pays, c'est bien, hein. Parce que là on peut pas aller les chercher. Ah oui, non, j'essaye d'avoir les pays, les, on va dire, les plus gros. Oh, le Raj britannique. Oh. Est-ce que je peux les... Wow. Transférer le sujet. Ça serait beau. Hein. Ah oui, ce serait beau. Si je pouvais avoir le Raj britannique. Ah, je vais pas dire non. Allez, vous savez quoi? On va aller le chercher. Transférer un sujet. MRC. On va en envoyer un. Un qui soit pas côtier. Voilà, lui. Et j'ai une autre frontière ici. Ah, je devrais. Il faudrait que je crée quelques casernes ici. Ça me permettrait de recruter sur place et de pas avoir de fatigue. Enfin, de problèmes dus à l'attrition, voilà. Hop, il y a quelqu'un d'autre, oui. Von Max, machin, mobilisation, allez hop, tu vas aller abattre. Comme lui là en fait, ouais c'est ça. Lui il en a là, sur place déjà. Nous avons maintenant séparation totale, ça c'est cool. On a 91% de légitimité, c'est bien. Ça, on va garder le plus possible. Quand on contrôle l'abolition du servage, c'est sûr. Ça, on peut pas. Qu'est-ce qu'on faisait comme technologie? Turbine à huile. Ah, il pourrait centrale. Ok. Allez, on va continuer avec le Raj. En plus, je me bats contre les Anglais, hein. Je me bats même pas contre le Raj, hein. C'est ça qui est magnifique. On va lui faire un petit débarquement là chez l'Anglais. La Dynam nous a mis sous embargo, m'en fous.
On a une grosse économie en vrai, de toute façon, donc c'est pas un problème. Qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher ensuite? L'Espagne? L'Occitanie? Oh oui, l'Occitanie. Le Siam me soutient. Oh, le Siam! Écoute, le Siam. Ah la vache. Écoutez, transfert du Siam. Transfert du Canada. La Nouvelle-Galles du Sud, elle est. Bon, elle est grande, mais il n'y a pas. J'ai envie de dire, elle est grande, mais il n'y a pas grand monde. Et l'anglais, il a mis du monde là-bas. Hein. Alors, c'est bien, ça veut dire qu'il n'y a plus personne chez lui, quoi. Mais c'est nul dans le sens où il faut que je ramène un peu plus de péons. Donc, toi, mobilisé, tu vas les défendre là-bas. Lui, il a personne ici. Ok. Là, il a fait sortir une grosse partie de ses troupes. Hein. Parce que là, il y en a 60 plus 80. Donc, il y en a 140. Plus de la moitié de ses troupes sont là. Ça me va. Ok, bon, ils font leurs affaires là dans le sud. C'est pas. Attends, quoi? Oh le salaud, les Anglais ils en profitent. Vous avez vu ça, les Anglais ils en profitent. On va les foutre dehors. J'ai pas assez d'autorité. Tardaker en Dalmatie. Ah oui, c'est là pour les centrales. Je vais retirer ça. Ouais, je vais retirer un impôt et ce sera bon. Effectivement, les Anglais, là, ils embêtent l'Italien. J'aime pas ça du tout. On va aller les venger. Voyons voir. Est-ce que j'ai encore... Oui. Réparation, un changement de régime, ça coûte... Trop dommage. Qu'est-ce qu'on pourrait conquérir? Les états de la trêve. Hein. Ça me permettrait d'avoir l'ensemble des états de la trêve. Allez hop, 8. De toute façon, je pourrais pas faire grand chose d'autre. Hein. Propulser, ok. Tiens d'ailleurs, on va tout mettre comme il faut. Là on a ça. Parfait. Là et là c'est bon. Bon, vont-ils abandonner les Britanniques? S'ils abandonnent pas, ça me va. Parce que là, ils ont des troupes là. Ils ont des troupes ici. Ah, ils en ont renvoyé un petit peu autre part. Je sais pas où, mais... Ils ont dit que ça sentait pas bon. Là j'ai même pas besoin d'y aller en fait sur le radio britannique, hein. C'est vraiment qu'au niveau de la Grande-Bretagne.
Libérer, libérer, réparation de guerre, rien à foutre. Ok. Autant dire, ils sont dans le caca. Hein. Pour parler très poliment. Invasion navale. Un ici. Et une autre juste là. Voilà, on va ouvrir deux fronts. J'ai un soulèvement. Lui, il fait rien. J'ai pas besoin d'énormément de troupes, donc je vais y aller. Ah ouais, j'ai tout ça à faire en colonie, allez. Hop, vous savez quoi? On va aller coloniser tout ça. Je voulais faire quoi? Je voulais faire quoi? Oui, action d'état. Incorporé. Et île du Nord, allemande. C'est déjà... Ok. Ah oh, oui, ça me va. Hein. On va faire un port, hein. Région étatique isolée, voilà, alors. On va faire des ports partout. Katanga est terminé, déjà. Bébé. Bref. Le Tonga. Ah bon? Ok, Bougainville. Petit port, le Kanak. Le Vanuatu. Le Nauru. Micronésie. Nouvelle-Guinée. L'autre Nouvelle-Guinée. La nouvelle nouvelle. L'autre Micronésie. Elle est célèbre. Voilà. Là, on peut pas aller leur taper dessus, dommage. Là, ils ont découvert du pétrole. Donc on va y aller, hein. On va tout remplir. Hein. De toute façon, ça fera venir du monde, il y aura de l'immigration et tout, donc c'est bon. Là, on est bien, là, on n'a pas. On a... Ok. Le pétrole a été découvert en Lombardie. Hop, pas de problème. D'ailleurs... J'avais encore un petit puits quelque part. En Galice. Ça utilise trop d'infrastructures. Alors en plus, ce qui est bien, c'est que bah, avoir des pays, on va dire, à être souverain de plusieurs pays. Quand j'ai besoin de travailleurs, quand vraiment j'ai besoin de travailleurs, en fait ils vont venir chez moi. Ils vont venir des autres pays, ils vont venir chez moi. Alors ça en est d'où? J'ai combien de temps de transport? 6 jours, ok. On doit avoir une bataille navale et un débarquement en simultané. Du caoutchouc en Solia. On a une bataille navale ici qu'on va remporter tranquillou. Nauru, on va les incorporer. Hein. Katanga aussi. Là on défend, là c'est gagné.
en commun. J'ai pas d'industrie automobile. Tant qu'on va pas aller, on va faire ça sur les transports publics. J'ai pas de. Ah si. Oh bon. Londres est tombé, hein. Londres est tombé direct. Ça. Non, il y a personne, hein. C'est bon. Home Counties, là, Londres. Ah, pas totalement, ouais, voilà. Elle était presque tombée. C'est-à-dire que c'était pas loin, et bah, c'est tombé après, là. Ok, il y a un autre soulèvement autochtone. C'est bien, ça veut dire que ça accélère la conquête. Ils se disent, ah oh, super. Il est déjà en train de se battre ailleurs, on va y aller. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Prends le pays de Galles. J'ai quelques convois qui coulent, mais ça, c'est pas un problème. En Amazon, ouais, mais ça, c'est pas. Ça m'intéresse pas. Brésil révolutionnaire. Je suis allé avec le Brésil, moi? Ah ouais! Tiens. J'étais pas au courant. Bon, allez, on va mobiliser du monde. Falloir que je m'occupe du Brésil et que je fasse plus qu'un protectorat. Voilà, envoyer du monde, ça devrait être bon. Les Anglais, bah les Anglais, ils sont dans le caca là. Voilà, l'Inda, ça va se passer tranquillement. Ok, je peux faire deux nouveaux états. Trois. J'ai pas vu Bougainville. J'ai combien là de côté? J'ai 13 millions. Ouais, j'en ai perdu beaucoup quand même là d'un coup. Ah! Ça y est, il a capté qu'il devait mettre du monde en défense. Moi, je vais le mettre en défense alors. Il devait rapatrier ses troupes quoi. Bon, ce qui fait que là. Oh, mais il en a encore un paquet! Là, je vais pouvoir hop, envoyer ça là-bas. Attends. En plus, les envoyer là-bas, on va plus aider le collègue. Le collègue italien, enfin le collègue. Oui, le collègue! Ah. Et là, on va voir, on va faire une gestion du budget parce que là, on a quoi? On a pétrole et voies ferrées. On va refaire un petit peu de construction de tout ce qu'il faut. Des vêtements, des vêtements, des vêtements. On en exporte ou pas? Pas du tout. Pas du tout. J'en fabrique beaucoup en Lombardie. En Lombardie, mais j'ai plus beaucoup de travailleurs non plus. Faire ça. Industrie automobile. Ah, mais ça, c'est moteur, d'accord, c'est compté comme industrie automobile. Ouais, mais si, bah, j'en ai effectivement. Ouais, je dis des bêtises. Du verre. Vache, pourtant, j'en ai fait un paquet du verre. Ah ouais. Bon, on va refaire. Pas le choix, hein. Du plomb, du plomb. Ok, j'ai ce qu'il faut ici. Est-ce que j'ai. Non, j'ai pas assez de voies ferrées par contre. Allez hop, on va remplir ça. Ça. Ouh. Ah ouais? On va augmenter alors. J'ai pas vu, mais apparemment au niveau de fabrication d'armes, c'est limite limite. Fais attention.
marqué là combien de temps de déplacement? 22 jours, ok. Là, on défend, il n'y a pas de problème. Puits sauvage. Oui, je peux. Ouais. Je peux baisser un petit peu la production de pétrole. Je m'en sers pas tant que ça actuellement. Le Tonga. La Micronésie, très bien. Vache, la vitesse de colonisation est impressionnante. Même là, même en Papouasie, je sais pas, ouais si j'en ai une là et j'en ai une là, et ouais. Ça colonise bien. Là, ça reconquiert, c'est bien. Reconquérir, reconquérir, ouais. Ok, bah là ça se passe. Hein. Oui que ça va se passer. Les pauvres, je les plains. Là, ils essaient de passer, les Anglais, mais bon, ils n'y arrivent pas, ils sont bloqués. Hein. Attends, quoi? Du plomb en pique, c'est ça? Je n'ai pas vu. Ouais, très peu. Bon, c'est bien que j'en ai en rab. C'est une bonne chose d'en avoir en rab, ouais. Ouais, ouais. Là, on reconquiert. Ah, il est brésilien. Ça va être rapide. Je peux vous dire là, ça va être action action. Je vais mettre en défense, ça sert à rien là que je les mette en attaque. Là, j'ai juste à patienter. Hein. La Grande-Bretagne va bientôt capituler. Pas besoin de subir des pertes supplémentaires. Je sais pas trop combien on a eu en pertes. 100 000. Ouais, quand même. 100 000 pertes, 100 000 blessés. Il y en a combien lui? Attends. Ouais, 71 000 de ma part. Ouais, il en a eu beaucoup moins. Après, il va perdre beaucoup plus. Là, il n'y a pas photo par contre, au niveau des pertes. Voilà. On a eu. C'est magnifique. Le Canada. Le Canada. Allemand. Le Raj britannique allemand. Attends, c'est. Ça, c'est magnifique quand même. Hein. Et le. Le Siam allemand et l'état de trêve allemand. Par contre, le Raj britannique allemand, ça c'est. C'est quand même beau. J'aime beaucoup le principe. Oh, ça me fume. J'adore ça. J'adore. Et prochaine cible. Espagne ou Occitanie? Espagne a plus d'habitants. Bon là je peux pas actuellement vu que il y a des conflits en cours. Mais dès que c'est terminé, on pourra y aller. Bon, faut que je remonte un peu l'économie. Ah mais j'ai mobilisé des généraux, c'est pour ça que ça coûte plus cher. Oh, on a passé la barre du milliard de PIB. Joué. On annexe les Lunda qui étaient par là je crois. Ah oh, oui ils sont pas finis, ok. Fini la colonisation de la Micronésie. Ah ben ça galère, hein. Je pensais que ce serait rapide, mais pas tant que ça. Hein. Elle est où la capitale là?
Ok, c'est Sao Paulo. Ouais, c'est bon, on va prendre sa capitale bientôt, là. Ouais, une petite prochaine cible. Qu'il fasse la fête, bien sûr. Espagne, Occitanie, Portugal. Les Anglais, on peut pas encore. Bon. Prestige, presque 11 000. Oh là là. Sinon, je pourrais annexer aussi tout ce qui est Valachie, etc. Serbie, Empire Ottoman. J'ai encore les colonisations de terminer. Hein. Ok. Et là, Sao Paulo est tombé, hein, je crois. Plus là, du coup, vu qu'il n'y a plus que contre le soulèvement libéral brésilien que je me bats, bah j'ai tout le monde qui va dessus. Ouais, vous savez quoi, je pourrais même mettre en attaque. Hein, allez, un peu plus. Voilà, ça sera plus rapide. Par contre, faudra rééquilibrer tout ça. Bureaucratie, moins 2700. Ouh. Casamé. Accès au marché faible, on va faire une voie ferrée. Lombardie, on va faire une voie ferrée. Galicie, on va faire 5 voies ferrées. Oui, voilà, 5 à la fois, c'est bien. Ah, je peux pas proposer. Mince. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est long quand même, ils ont perdu leur capitale et ils tiennent. Bon. Pourquoi pas? On va partir sur de la stabilisation de marché. C'est fou par contre. Papier, il est cher. Papier, je vais en avoir besoin en plus parce que je vais. Ça marche pas? Ah, j'étais ouvert sur autre chose. Okay. On va faire ici en Autriche. Faire 20. Avoir besoin de voies ferrées. Hop. Papier encore cher, les clippers, non mais qui utilise des clippers? Route commerciale, ah oui, non mais. Ouais, d'accord. Hein? Quai de pêche et port de chasse à la baleine? J'ai pas passé ça en. Oups. C'est une erreur de ma part. Je vais les passer en. On va les passer comme il faut, hop ça. Ouais, c'est un peu la dèche en transport. Ça, je le fais pas de suite, ça me servira, mais là, pas de suite, je peux pas. Port de pêche, port de pêche. Bah si! Ça me disait que j'en avais en consommation, c'est quand même bizarre ça. Et aussi, je suis en train de voir que dans les mines, j'ai pas le treuil.
ça. J'ai de l'électricité, donc on va faire ça. On passe en abattoir mécanisé. Ça importe plus de viande, mais je vais peut-être en avoir trop, justement. Bon, ça me fera utiliser moins de main-d'œuvre. On va faire ça. Est-ce que j'ai vraiment envie de décoter en bourse? Non. Transport ferroviaire. Allez, on sait quoi. Vous savez quoi? Ça me consommait du moteur à balle. Oh oui, la vache, ça me consommait vachement de moteur. Je vais faire beaucoup d'usines de moteurs. Il faudra que je pense à passer tout ça en. Comment ça s'appelle? En treuil. En treuil mécanisé. Non, ça c'est normal. Ça c'est bon. Ça non. Ça oui. Ça ouais. Ça je peux maintenant. J'ai du pétrole, j'ai de l'électricité, pardon. Je vais y arriver. Par contre, faut pas déconner ça. Ça. Après ça dépend les. Ok. Ok. Vous savez quoi? On va jouer avec le feu. Sium. 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 Et Sium. Ça me consomme beaucoup de charbon, maintenant que je viens de voir. Là j'ai des moteurs, là j'ai des moteurs, mais je vais pas en avoir assez, donc il va falloir que je trouve un autre endroit pour fabriquer mes moteurs. Donc. Industrie, industrie automobile, voyons voir. En Silésie. En Silésie, j'ai beaucoup de. Et en S? Ah! Non, c'est. Ici, ouais, j'ai des fabriques d'outils. En Silésie ou en S? Ah, j'avais commencé, hein. Ah, on va faire. On va faire de l'infrastructure. Et on va. On va mettre 50 industries automobiles ici. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Ah bah. Ah bah, ils en ont retrouvé. Du pétrole, tant mieux. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Voilà, on ira sûrement une fois que ce sera fini au Brésil sur l'Espagne ou l'Occitanie, voire les deux, avec un petit peu de Portugal, etc. J'espère que ça vous aura plu. C'était Thiob. Ciao!